Alors, nous voilà dans un nouveau vlog. Je suis trop contente, j'arrive enfin à filmer dès le lundi parce qu'en général ça part du mardi au jeudi donc c'est pas très intéressant. Donc là, on va essayer de faire la semaine. Mercredi, je pense pas que je pourrai. Demain, je vais essayer de filmer quand même. Et puis voilà. Alors, pour commencer, je vous ai mis une petite vidéo de cinéma la semaine dernière que j'ai été voir La Petite Sirène. Que dire du film? Bon bah, j'ai quand même aimé parce que bon, c'était comme un très beau film, visuellement c'est magnifique, mais j'étais quand même déçue sur certaines choses par rapport au dessin animé. Après, comme on dit, c'est pas tout à fait, ils peuvent pas tout à fait vraiment faire l'exactitude, pardon. Niveau des acteurs, le prince Eric, je le trouvais super. Et disons, ta film, tu me mords pas, toi. Ursula, pareil, j'ai adoré. Le roi Triton, je trouve aussi pareil, je le trouve super beau. Bah, la petite sirène, bah, elle est très jolie, hein, mais bon, pour moi, c'est pas la petite sirène, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Donc voilà, ça reste un très beau film à voir quand même. Sinon, niveau colo, bah, je suis contente parce que j'ai été dans mon galerie de portraits. Je vais vous montrer ça tout de suite, si j'y arrive. Alors, je l'ai. On peut dire qu'il est quasiment terminé. Il manque juste 2-3 choses à fignoler et ce sera terminé. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai encore les effets à faire à l'intérieur du cadre. Je ne sais pas trop quelle couleur faire encore pour le moment. Ça sera la peinture, ça c'est sûr. Mais après, je ne sais pas trop. 2-3 petits effets à faire sur Ariel. Et puis voilà, c'est bon. Donc ouais, je suis contente du résultat. J'ai adoré le faire et je suis contente d'avoir été dans mon livre du mois. Du coup, je suis vraiment très très contente. Voilà. Niveau mystère, donc j'ai terminé mon colo dans le tome 10. Là, je suis dans le nature, enfin. Ça va faire plusieurs jours que je suis dessus. Donc là, j'ai décidé de faire elle. Cette scène-là. Avec Ariel, évidemment. Hein. De toute façon, après avoir vu le film, j'avais trop envie de. Comment dire? De colorier du Ariel. Donc, bah, voilà. Il va me faire des bêtises, je le sens, ce chat. Voilà. Après, dans mes colos de prévu, je me suis mis 2 petits livres là, hors de mystère, que j'ai envie de faire ce mois-ci. Donc, le Blue Link de Morgane que j'aimerais faire. Donc, là, c'est avec Lucas. J'en ai trop à faire dedans. Je me suis mis 3 colos, mais bon, je sais pas si je vais réussir à maintenir. Alors, c'est pas celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, ce colo-là à faire. Donc je pense que tout le fond je le ferai à l'aquarelle. Et juste les persos, je pense que je ferai au Prismacolor, je pense. J'aime bien varier les crayons. Donc là je pense que ce sera ouais, au Prisma. Et je pense que ce ne sera pas si long que ça à faire. Donc bon. Voilà. En espérant que j'arrive à le faire. Et j'aimerais faire un petit colo dedans. J'avais choisi un colo, il me semble, dedans aussi. Ah oui, c'était celui-là avec blanc. Ah oui. Voilà, c'est pareil, à l'aquarelle, ils peuvent vraiment être super à faire. Faut vraiment que je teste le papier et je pense que la plupart, je le ferai à l'aquarelle aussi. Donc le pareil, je vais voir. Je vais essayer de le faire. Et puis on va voir si je tends ou pas, vu que je pars une semaine fin du mois. Donc voilà, je me suis mise au moins ces 2 livres-là à faire ce mois-ci, ce serait très bien. Puis évidemment, bah, du mystère. Hein, Donc là, après, je vais terminer. Ouais, je pense que je vais terminer mon mystère avec Grande Nature. Et je pense après aller dans le Girl Power du coup, pour faire Cendrillon. Parce que Nelly a pris de l'avance sur moi et j'aime pas ça. Non, c'est moi la première. Non, je rigole. Non, mais ouais, il faut absolument que je la fasse pour avancer dans mon Girl Power. Parce que là, pour le moment, j'ai un peu peur pour mon objectif, pardon. Parce que je voulais vraiment l'avancer au maximum et puis arriver. À plus de la moitié du livre en fin d'année, et là malheureusement j'en fais 1 ou 2 par mois, et il faudrait que j'en fasse au moins 3 minimum par mois. Donc bon, ça part un peu mal, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Au niveau réception, bah là je vais recevoir quelque chose aujourd'hui, et je vous en parlerai plutôt demain ou mercredi, je pense. J'ai acheté aussi, bah, d'ailleurs je le reçois aujourd'hui aussi. Le feutre Tombow que Gwen a parlé sur un de ses TikTok, du coup, j'en vais tester. Parce que j'avoue que j'en ai marre des post-cum. Enfin, surtout ceux-là.
pour faire les contours, les petits Posca sont vraiment très bien parce qu'il n'y a pas forcément besoin de trop amorcer pour. Mais ceux-là, vu que c'est du remplissage, bah, c'est pénible, franchement. Ouais. Là, je ne sais plus c'est quel contour que j'ai fait, ça m'a saoulé, je crois que c'est dans mon tome 10 là. Et bah, je crois d'ailleurs il est vide. Que ça s'entend, il est vide. Donc, voir, je change. Donc, j'ai hâte de tester, voir. Parce qu'apparemment, ça baverait. Caline. Donc, ouais, faut que je teste pour voir tout ça. Et pareil, au niveau réception, j'ai commencé à recevoir mes commandes sur Vinted. En fait, j'ai envie de faire une petite collection de petites figurines comme ça. De chez Action. Donc, là, c'est les Disney, enfin, les Mickey. Donc, là, pour moi, j'ai reçu Dingo et Tic. Voilà. J'ai reçu ces deux petites figurines. Donc j'ai hâte de recevoir le reste parce que du coup bah, je vais avoir toute la collection. Je vais avoir Mickey, Minnie, Daisy, je l'ai déjà. Je vais avoir bah, Tac du coup et Donald et Pluto aussi. Donc voilà. Oh, pas possible ce chat. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah si, j'ai fait une découverte chez Action. Bah, du coup c'est rangé, je vais pas vous sortir maintenant. Mais j'ai découvert qu'il faisait ça. Ce que j'utilise pour couvrir maintenant, pour me protéger mes coloriages. Du coup, j'utilise ça. Au lieu d'utiliser les pochettes sur certains colos, j'utilise ça. Mais sur Amazon, j'en avais pour 5 à 6 euros en fait le rouleau. Ça faisait un peu cher. J'en avais du coup, bah, j'économisais papier. Et en fin de compte, à Action, ils le font. Et pour 99 centimes. Donc franchement, je suis trop contente. Quand j'ai vu ça d'un coup à Action, j'ai dit à mon mari, oh, mais je suis refaite, je suis trop contente. Il faut moins 99 centimes, franchement. Oh là là, je vous jure. Donc du coup, j'en ai pris deux rouleaux. Du coup, là, je suis contente, j'ai de quoi faire. Parce que ça, que 6 euros le rouleau, ça, franchement, ça m'embêtait. Hein. Mais bon, j'avais pas trop le choix à l'époque, je savais pas qu'il faisait à Action. Donc, voilà, voilà. En parlant d'Action, sinon, non, j'avais que ça. Ah si, j'ai acheter ce petit carnet là qui est tout mignon. Donc ça ils le font souvent. Donc là c'est Bambi, j'avais envie de changer parce qu'ils font mini. La Cendrillon je crois. Et je sais plus d'autres. Mais bon. Et c'est trop mignon en fait, c'est page blanche comme ça avec Bambi. Donc à voir dans quoi il va me servir. Mais bon. Je trouverais bien une utilité pour ce petit cahier. Qui est tout mignon. Pareil, il est disponible à l'Action. Donc voilà pour aujourd'hui. Et bien j'essaie de vous reprendre demain. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le mardi 13 juin, je suis dehors comme vous pouvez voir, j'accompagne mon fils à la sortie scolaire en fait, à la colline aux oiseaux de Caen, donc du coup voilà où je suis. Hop. Donc du coup je pourrais pas trop vous prendre aujourd'hui vu que bah, je suis à l'extérieur, je voulais vous juste pour continuer un peu mon rush du coup voilà, donc là je surveille entre deux où sont mes enfants, parce que je suis au niveau d'une sécurité pour pas qu'ils aillent au niveau du lac qui est juste derrière moi, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, bah, rien de spécial, j'ai reçu du coup mes crayons que j'ai dû recevoir hier, donc du coup j'ai trop hâte de vous montrer tout ça jeudi je pense du coup. Et sinon, j'ai fini mon colo dans le tome 10, je crois que j'étais. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Et je voulais vous montrer aujourd'hui si... Ah, maintenant, elle est re-rentrée. Ah mince, il y avait une petite chèvre qui était juste là. Donc, je vais vous montrer un peu... C'est vraiment très, très, très agréable. Il fait super beau en plus. Moi je suis mis à l'ombre hein, parce qu'il fait un peu chaud quand même. Et puis voilà. Donc là normalement il y a des chèvres ici, mais là elles sont rentrées, elles sont pas sorties. Donc voilà la journée aujourd'hui, ça va être promenade à la colline aux oiseaux avec les enfants. Regardez, elles sont là les petites chèvres. Elles sont trop mignonnes. Coucou petites chèvres. Alors nous sommes le mercredi 14 juin du coup bah, hier j'ai pas pu, je vous ai pris vite fait pour vous montrer un peu ce que je faisais parce que j'avais vraiment envie de faire la semaine complète, j'avais pas envie de faire deux, juste deux ou trois jours de vlog, j'avais vraiment envie de faire la semaine complète avec vous
Donc j'espère que ça sera de bonne qualité. Je verrai ça au montage. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer ma réception. Donc du coup, voilà. Mes Intense 100. Je suis trop contente. En fait, au début, je voulais attendre qu'ils sortent la boîte directement des 28 nouvelles teintes, vu que j'ai déjà les 72. Et ils ont fait directement la boîte des Intense à 100. Donc j'ai sauté dessus. Franchement, et j'ai bien fait parce que là, je crois qu'ils sont plus disponibles sur Amazon. Bon, ils vont revenir, c'est sûr. Parce que là, c'est tout nouveau. Donc non, franchement, je suis trop contente. Ah, par contre, j'ai l'impression que le crayon a changé légèrement. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est une impression oubliée. Hop. Donc on a le petit dépliant. Pour cette fois-ci, on a une nouveauté. On n'a pas le nuancier directement dedans. On a un QR code en fait là. Pour avoir le nuancier. Et ouais, je suis trop contente. Non, je pense que c'est le même, c'est moi qui me suis mis. Donc voilà, un crayon, il se prend plus. Bon, on a un invité. Oh, je vous jure, celui-là. Donc, j'ai pas encore fait le nuancier. Je pense que je vais le faire dans la journée. J'espère avoir le temps parce que, bon, le souci, c'est que j'ai pas mal de choses à faire. Oui, bien sûr, vas-y. Hein. On tombe plus. Et puis, il me fait mal en plus. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc le nuancier, j'espère le faire aujourd'hui. En plus, il faut que je réimprime des nuanciers pour mon nuancier classeur. C'est bon, ça passe pas. Toc. Mon nuancier classeur qui se trouve comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pas le nuancier aquarelle dedans. Et au début, je pensais pas les mettre, mais je pense que je vais quand même les inclure parce que mon petit cahier là, c'est pas mal. Par contre, pour si je me déplace avec mon aquarelle, ça c'est beaucoup plus pratique d'avoir ça. En plus, j'avais déjà fait mon nuancier 72. Voilà. Mais en plus, il se détache à moitié. Et puis là, en plus, ça va être modifié. Enfin, je veux dire, c'est pas dans l'ordre. Parce que du coup, là, à la fin, j'ai les godets. Donc, j'aurais voulu rester dans les godets, en fait. Enfin, avec les crayons, plutôt. Et du coup, ça va être plus simple de trier les aquarellables dedans. De mettre les crayons avec les crayons, les godets avec les godets, etc., quoi. D'ailleurs, je vous ai pas montré, j'ai fait. Enfin, ça, je vous montrerai peut-être plus tard. J'ai fait le nuancier des White Knight, justement avec les petites étiquettes, du coup, pour m'y retrouver, c'est plus simple. Bon, j'ai mis la palette d'action, mais je pense que je l'utiliserai jamais, ils sont vraiment de mauvaise qualité. Hein. Quand on voit la pigmentation, même ceux de Amandine Young à côté, il n'y a pas de différence. Enfin, il y a. Justement, il y a une grosse différence. Donc. Je suis désolée si vous entendez mes enfants, mais bon, on est mercredi, hein. Voilà. Ça, là, c'est les CSY, pardon. Donc, ouais, j'adore ces aquarelles-là, elles sont vraiment magnifiques. Il n'y a que la verte encore que je n'ai pas, je crois, et je ne sais pas si je prendrai, parce que j'en ai déjà pas mal. Faut que j'arrive à refaire mon nuancier, mon aquarelle Paul Rubens, parce que du coup, y a des super belles couleurs aussi, donc faut que je les mette, hein. Là, il est muséum, j'ai tous mes crayons dedans. Donc ouais, je voudrais le refaire en fait, mais en version classeur. En version classeur, comme du coup, il faut que je regarde dans le dossier de Panoramimix pour voir, enfin ici, il y a, parce que j'ai vérifié sur sa vidéo, pour en ressortir quelques-uns, même pour les crayons, parce que du coup, là, il faut que je ressorte pour certains crayons. Les feutres, je crois que j'ai tout fait, les feutres, il me semble. J'ai les Brunzen, les Fribrins, couleur peau, donc je crois que ça a été fait. Tout a été fait. Et j'ai envie de faire aussi pour les crayons de couleur par trousse en fait, comme a fait aussi. Et j'avoue que c'est pas mal même pour le rangement. Et alors, par contre, le souci c'est que pour sur les élastiques, le coller, je sais pas si ça tiendra. Donc je sais pas, je verrai tout ça. Mais d'un côté, j'ai un peu la flemme, parce que refaire tout mignon aussi. Déjà que là, je traîne dans mes nuanciers parce que bon, j'ai fait les polychromos. Je suis en train de faire les macarons. J'ai toujours pas terminé. Hein. J'en suis qu'à là. En plus, j'ai remarqué ça qu'il m'en manquait un. Hein. Ça me gonfle. Je sais pas où qu'il a été foutu encore. Bon, après, j'irai par la suite. Je rachèterai la boîte. De toute façon, 15 euros les 50. Ça fait vraiment pas cher. Donc, voilà. Les Winsor & Newton. Merci.
Mais crayons, je n'avais pas fait beaucoup. J'ai commencé même les chromaflots que je n'ai jamais terminé non plus. Ce serait bien que je continue aussi. Il n'y a que le Derwent Drawing que j'ai fait entier. Voilà. J'avais fait les Lightfast, j'avais commencé, mais du coup j'avais abandonné, je sais plus pourquoi. Ah oui, si, j'ai fait l'édition Black aussi. Donc. Le Holbein, faut que je fasse le Holbein aussi. Oh ouais, ça m'en fait beaucoup à faire. Ah ouais, j'avais fait juste comme ça. Bon, ça choque pas après. Hein. Les glitters d'action, j'avais mis comme ça. Bon, pourquoi pas. Ça choque pas. Bon, j'ai vu qu'il y a des très belles couleurs, je pense que ça a rajouté, ça peut être super sympa, en fait, je suis en train d'y penser. Là, il y a même les combos couleurs que j'ai mis là, et je pense que là, ça va pas être les combos personnages, mais surtout tout ce qui va être décor, genre les baies, des fonds, des joueurs de fraises, enfin, etc. Ce genre de choses, mais pas tout ce qui est personnage, genre peau ou tout comme ça, je pense que j'utiliserai celui que j'ai, de Bruno Art Gallery. Voilà. Il faut que je le mette à poubelle, c'est ça que je le garde, celui-là. Moi j'en ai deux comme ça, il faut que je, tout près que j'arrive à imprimer ça. Donc du coup voilà, c'est mon... Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, enfin que j'imprime des nouveaux nuanciers pour pouvoir faire mes crayons. Du coup je vais faire petit à petit, hein. Je vais d'abord faire en priorité les Intense parce que bah, là, je viens de les recevoir et j'ai envie d'avoir un nuancier complet pour voir la différence avec l'autre nuancier, voir les nouvelles teintes du coup. Mais ouais, je suis vraiment trop trop contente de mon craquage. Et ouais. Mais moi j'adore les Intense, je crois qu'ils sont vraiment trop trop géniaux. Je peux pas dire que c'est un. Enfin, ils font partie des meilleurs aussi, exactement. Moi en fait, mes préférés Aquarellab, ça va être. J'en ai trois. Donc j'ai les Intense, les Albrecht et les Museum. C'est vraiment de. Avec ça, mais oh, on peut faire des merveilles, franchement. Après, j'ai les Prismalo que j'aime beaucoup, mais on voit bien que c'est pas pareil, quoi. Ça manque de pigmentation par rapport. Mais il y a plus de teintes que les Museums, donc du coup ils se complètent bien, c'est ça qui est bien. Et bah là j'ai hâte de voir avec les 100 couleurs du coup. Donc bah, je vous redirai ça plus demain je pense par rapport au Intense. Mais voilà. Alors non, là je les ai eu au prix de 160 euros je crois. Donc ça va, ça reste raisonnable parce que bon, pour des crayons quoi là, les matières sont beaucoup plus chères. On regarde les Museums. Même les Albrecht, il me semble qu'ils sont un peu plus chers. Donc franchement, ça reste raisonnable. J'ai pas eu de frais de douane ou quoi que ce soit parce que ça vient d'Angleterre, pardon. Je vais y arriver. Mais je les ai eus sur Amazon FR. Donc du coup, voilà. Et je les ai reçus en une semaine et demie, je crois. Ah oui, j'avais pas fait attention qu'on avait nuancé là. S'il y a des roses qu'on n'avait pas avant. Ce rose-là, je le vois direct, qu'on n'avait pas avant. Ce genre de bleu-là, c'est pareil. Des jaunes pâles, je crois qu'ils ont rajouté. Des oranges à moitié d'hiver. Et pas mal, j'ai vu ça aussi sur des petits nuanciers vite fait. Des nuanciers, genre les marrons foncés comme ça, qu'ils ont rajouté, qu'on n'avait pas. Donc ouais, je vais rester plus en détail quand je ferai mon nuancier. Alors j'hésite encore si je les garde en boîte ou si je les mets dans ma trousse. Parce qu'en fait, vu que je les ai dans ma trousse... Ah voilà, c'est bon, c'est fermé. Pour le moment, je les laisse dans la boîte et je verrai par la suite si je les mets en trousse ou pas. Non, parce que j'aime bien la boîte en fait. Ça, j'ai reçu du coup mon petit feutre Tombow. Du coup, il est où? Il est là. Voilà. Bon, c'est pas vraiment une pointe brush. Hein. Enfin, si, enfin, ça fait brush, mais c'est une toute petite pointe. Je m'attendais à une plus grosse pointe, personnellement. Comme j'avais vu la vidéo de comment ça s'appelle, de Gwen. Mais bon, ça peut le faire pour les contours. Je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai l'impression de me répéter. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Tant pis, au pire, je me répéterai, c'est pas grave. Du coup, ouais, pour les contours, le remplissage, par contre, non, c'est pas top. Mais par contre, ça bave pas. Ça bave pas, donc bon, voilà. On va voir sur un colo entier. Je l'ai fait sur Cendrillon, juste sur son collier. Son collier. Ça va pas baver. Et c'est assez opaque quand même. Hein. Ça va quand tu fais bien. C'est assez opaque quand même. Moi, après, vu que je fais un petit rond, du coup, je pense que ça fait plus opaque qu'en trait. Ça, ça a toujours été prouvé. De toute façon, les feutres, quand on fait un petit rond, c'est toujours plus foncé que quand tu fais des traits. Donc voilà. Je reçois le pack de. Je sais plus combien de feutres qu'il y a dedans. Je crois qu'il y en a 5.
avec plusieurs tailles de mine. Donc elle est toute fine et jusqu'à la broche assez épaisse. Donc voilà, ça c'est pareil, j'ai hâte de la voir. J'ai choisi un colo dans le Looney Tunes, dans mon nouveau justement. Hop, qui est là. Ah oui, je vous ai pas dit. je vous ai pas raconté tout ça. Alors, j'ai commandé la version, l'édition numéro 2 des Looney Tunes. J'avais dit que je ne la prendrais pas parce que j'avais bien avancé l'autre. Et puis, je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Erika d'ailleurs. Parce que j'étais curieuse de savoir si les gens avaient reçu. Et j'ai eu deux ou trois personnes qui m'ont dit qu'en commandant sur Amazon, ils avaient reçu la deuxième version, dont Erika. Donc je me suis dit, ah, trop la chance quoi, je fais super et tout. Moi j'ai trop peur de commander, j'ai trop peur d'avoir la première édition, sachant que je l'ai déjà. Il fallait que je fasse un renvoi, enfin etc. quoi. Donc au début, j'ai dit, bah au pire, tu peux commander pour moi et je te donne les sous. Enfin bref, on s'arrange quoi. Mais elle m'a dit, maintenant, de toute façon, c'est vrai qu'on réfléchit ça, c'est débile parce que. Vu qu'elle avait commandé pour mon adresse, ça va être l'entrepôt qui a par chez moi qui va expédier. Donc ça revient au même en fait. Donc j'ai dit, vas-y, laisse tomber, je vais le faire. Et puis bah, on va croiser les doigts. Et je suis contente. J'ai reçu le numéro 2. Alors contente, oui et non. J'étais contente d'avoir la deuxième édition. Mais par contre, ces abrutis d'Amazon, pour rester un peu poli, ont collé en fait. Je sais pas comment ils ont fait en fait. Ont collé le carton d'envoi en fait sur le livre là. En fait, au lieu de coller à l'extérieur, ils l'ont collé à l'intérieur. Du coup, ça a collé ici. Donc, je fais bon. C'est du carton, donc au pire, je vais essayer de gratter tout ça, de humidifier et tout. Impossible à enlever. Et en plus, ça a commencé à arracher le lit. Je fais vas-y, laisse tomber. Ça m'a tellement énervée. Je fais retour direct. Même, je cherche pas à comprendre. Hop, retour. Donc, je fais le retour. Je reçois l'huile 2 jours après, je crois. Moi, c'est ça. Bah là, je l'ai reçu taché. Donc là, il y a une tache ici et en bas, je crois. Ouais, c'est ça, en bas là. Donc là, par contre, je cherche un. Parce qu'à chaque fois, c'est ça qui m'énerve aussi avec Amazon, c'est qu'à chaque fois, ça nous propose un retour. Moi, je voulais pas faire retour, j'en ai déjà fait un, ça m'a saoulé. Je voulais vraiment contacter le service client pour en gros avoir soit un avoir ou je sais pas, un truc quoi. Parce que je sais, c'est pas normal, c'est la deuxième envoi et encore une fois, bah il y a un problème quoi. Donc je vais, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Donc j'ai été remboursée à 30% du livre, donc du coup de 4 euros. Donc voilà, c'est toujours ça, c'est pas non plus énorme, mais c'est toujours ça. Mais bon, c'est pénible, quoi, parce que bon, on est taché, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, on va dire. Mais bon, quand même, on aime bien recevoir un livre propre et neuf quand on achète quelque chose, quoi, c'est ce qui est logique. Donc voilà, mais bon, pareil, j'avais peur de recevoir la mauvaise version, parce que bon, ça se trouve, c'était un jeu du hasard, je sais pas, et j'ai eu la bonne édition. Donc je suis contente. Je vous montrerai la petite photo là sur le côté parce que là je vais pas tenir les deux livres, ça va être compliqué pour vous montrer. Mais je vais vous mettre une sorte de petite photo là où on voit avant, après ou l'inverse, je sais plus. Et voilà. Mais on voit carrément là, je vais vous montrer déjà une... Je sais pas si vous allez bien voir avec la vidéo. Mais... Bah si, vous voyez bien les chiffres quand même là par rapport à l'autre. Mais c'est rien à voir, franchement je suis vraiment trop contente de l'avoir repris. Alors par contre j'avoue que l'autre, je l'ai mis de côté, je voulais le vendre mais en fin de compte j'adore les colos que j'ai fait dedans, ils sont réussis. Donc ça m'embête en fait de le vendre, donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire, soit pour le moment il est de côté. Après peut-être qu'il servira pour mon fils plus tard, après vu qu'on voit pas grand chose, c'est ça qui est pénible quoi, en vrai je sais pas, franchement j'en sais rien, je sais pas du tout. Pour le moment il reste de côté puis c'est tout. Donc là j'ai choisi un colo dedans, dans la page 71. J'avais envie d'un colo là d'été parce que ça y est, il en a plein dedans, j'en vais d'eau, j'en vais machin. Donc du coup ça y est, c'est parti pour les colos d'été. Du coup j'ai choisi la page 71, c'est où il est avec la bouée. Alors pareil, j'ai eu un petit cafouillage au niveau des choix des couleurs, parce qu'en fait, vous regardez bien, numéro 4 et numéro 7 se ressemblent beaucoup. Mais en fait, quand on regarde bien, le numéro 4 est un peu plus jauni que le 7. Donc du coup, bah voilà. On verra bien quand je change en colo, j'espère que je ne vais pas le louper. Au pire, si je le loupe, j'ai l'autre. C'est ça qui est bien aussi, c'est quand on a deux, on a une issue de secours, on va dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Pareil, là, parce que justement, j'ai du mal à choisir un colo, parce qu'en fait, j'ai vraiment pris goût à colorier avec les livres coupés, en fait. Mais je sais toujours pas si je coupe ou pas le Looney Tunes. Franchement, j'avoue qu'en livre, il est beau comme ça. Donc, mais bon. D'un côté, est-ce qu'on l'esthétique vraiment compte vraiment si pour la... par rapport à la pratique? Parce que si je colorais pas dedans, parce que je vois que ça me gêne, ça m'embête, enfin, vaut mieux que je coupe dans ce cas-là.
Et je pense que ça va finir comme ça parce que j'avoue que j'ai vraiment pris goût à colorier. Couper, c'est vraiment plus simple. Puis je trouve que ça dénature pas trop même la bibliothèque. Bon, parce que là j'en ai encore pas mal de pas découpés, mais là en bas, je sais pas si vous allez voir. Faut juste que je trouve un moyen de retrouver mes livres. Parce que du coup, une fois qu'ils sont comme ça reliés, ben, en fait on ne différencie pas. Alors avec Nelly, on avait pensé à sorte d'étiquette, mais le souci c'est qu'une fois qu'on va colorier, est-ce que ça va pas se barrer? Est-ce que ça... Ah, je sais pas du tout. Faut vraiment réfléchir à ça parce que ça va être embêtant. Pour les différencier, et j'irai même réfléchi pour certains livres hors mystère, comme celui d'Amandine Young en fait. Parce que pareil, ce qui me freine en fait derrière ce livre là, c'est que bah, ça s'arrache à moitié et on a du mal à mettre à plat en fait. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que bah, je relirai pas? En plus, j'ai des anneaux tout fins qui pourraient faire l'affaire, donc je pense que ça, c'est pareil. Je pense qu'il va finir découper et je vais le relier. Ça va être plus simple pour mettre en couleur. Parce que j'ai envie de mettre en couleur du Amandine Young justement en ce moment. Puis je la vois bientôt, donc j'ai vraiment trop hâte. Vu que je suis dans les sirènes en ce moment, pourquoi pas faire elle justement pour le mois de juin, juillet. Peut-être m'avancer, parce que là, j'ai plus beaucoup trop de temps. J'ai toujours pas fait mes finitions dans mon galerie de portraits, il faut que je le fasse. Je vais le faire aujourd'hui comme ça, j'en parlerai plus. Et il faut que j'arrive à aller dans les livres que je vous ai montrés du coup. Le chef-d'œuvre de Disney. Voilà. Le chef-d'œuvre de Disney. Il faut que j'arrive à aller dans ce colo-là aussi. Tout prêt, tout prêt. Et là, bon, c'est à 100% aquarelle. Donc, sur ça, je pense que j'ai hâte de faire mon nuancier de mes items. Parce que je pense que je vais les utiliser dedans. C'est même certain. Et je pense que je vais quand même utiliser mes godets. Même pour le fond, pour l'herbe, pour. Le ciel. Bon, après le ciel, il n'y a pas beaucoup de ciel, mais même l'effet et machin, ça peut être sympa. Faut que je teste tout ça, j'ai vraiment trop hâte de colorier dedans. Alors, par contre, il faut que je fasse attention, parce que de l'autre côté, c'est pareil. Il est vraiment trop choupi, celui-là. Puis il y a des petits colos que ça peut être sympa pour tester un peu les effets B, machin, champignons et tout. Non, franchement, je suis trop contente. Ce livre-là est tellement beau. Il faut que j'arrive à être dedans. Et dès que j'aurai fait mon nuancier. Donc ben voilà pour aujourd'hui, je vais vous laisser là parce que j'ai quand même bien parlé. Et puis ben, je vous retrouve demain en espérant avec le nuancier de fées et d'avancer. Voilà. Coucou, alors nous sommes le jeudi 15 juin, si je ne me trompe pas. Du coup, ben, on va commencer enfin, aujourd'hui avec les petites figurines que je viens de recevoir de chez Vinted. Parce que j'avais envie d'avoir toute la collection de Mickey. Donc du coup là j'en ai reçu 4. Donc le premier c'est Donald. Toc. Excusez pour le goût de papier, je sais que c'est horrible à entendre. J'ai envie de le monter avec vous. Bon, je vais bien. On est un peu taché, c'est dommage. Ça, je pense qu'il y a ça avant, je pense. Je pense que ça va là, ça, non? Tac. Sur sa tête. Elle est un peu sale, hein, quand même. Donc, j'ai acheté sur une personne sur Vinted, évidemment. Mais moi, je suis un peu déçue, parce qu'il est un peu sale, quand même, Donald. Je pense que je vais mettre une mauvaise note à la dame. Ah, voilà, Donald. Je vais vous mettre là. Ah si, tiens. Ensuite, on a Mickey. Tac. Commencer à mettre son nez quand même. Ah, je pense qu'elle a dû essayer de mettre la tête. C'est mal. On va alors, dans quel sens on met le nez? On va mettre comme ça quand même. On va mettre droit. Son petit corps et ses petits pieds. Voilà, c'est trop chaud. Trop chaud, ok. Donc ensuite, on a Mini. Alors. Encore une fois, désolé pour le bruit du papier.
Alors, on va lui mettre son petit corps, son petit nez. Bah, sa tête, elle a mal été emboîtée. Bon, on mettra bien plus tard, c'est pas grave. Toc, ses petits pieds. Et voilà. Mon mini est un peu plus propre que les deux autres, hein, quand même. Et enfin, du coup, et tac. C'est tac. Hop. Hop. C'était mal emboîté aussi. Hop. Le petit nez. Tout mimi. Donc là, il y a son ventre. Hop là. Toc. Tac. Et la petite queue. Voilà. Hop. Voilà. Alors j'avais déjà Tic et j'avais. Non, j'avais Dingo. Et j'avais Daisy. Il me manque plus du coup Pluto. Que je devrais pas tarder à recevoir. Il y a eu un petit embouteillage. Et du coup, ouais. Il manque plus que cela. Alors, il faut que je trouve un endroit où les mettre parce que j'aimerais bien les mettre ensemble quand même, mais bon. Normalement, j'ai plus hors de place. Toc. Donc, on va mettre ça là pour le moment. Voilà. Un petit peu déçu quand même pour Donald et Mickey qui ont été un peu salés quand même. Mais bon, ça peut arriver de temps en temps. Ça va, malheureusement. Voilà. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai reçu mes feutres noirs que je vous avais parlé. Donc là, par l'autre 4. Et il y a une petite recharge, en fait, d'encre. Alors, la marque, c'est une marque chinoise. Hein, c'est marqué Boak. Ouais, en bref. Donc, il y a plusieurs mines. On a une mine plus fine. Donc, c'est, je ne crois pas que ce soit celle-là la plus fine. Voilà. Je vais montrer de plus près. Voilà, cette mine-là. Je pense avoir que je fasse. Donc là, mine brush. On a. Bon, celle-là, c'est celle-là la plus fine. Et enfin, on a la moyenne, qui est juste avant la brush. Donc je suis contente parce que les couleurs sont assez opaques quand même. J'ai pas encore testé sur un colo, pardon. Du coup, je peux pas vraiment dire si ça bave ou pas. J'espère pas. La plus petite mine, là, je sais qu'elle pourra me servir pour mes points reliés. Entre deux, c'est pareil, même sur, pour mes nuanciers. Et puis, bah, c'est de là pour les mystères. Donc, ça peut être vraiment sympa. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Je crois que c'est 3,99€, je crois, les 4. Donc, ça va, ça reste vraiment pas cher. Faut que je vérifie, mais il me semble que c'est ce prix-là. Je vous redirai ça. Donc voilà, voilà, je suis trop contente. À tester. Donc je vous en reparlerai plus précisément une prochaine fois quand j'aurai fait un colo avec. J'ai fait mon nuancier des Intense, du coup, hier. Donc là, j'ai fait en version là, la trousse de Panoramimix, mais sinon, pour mieux voir, je l'ai fait aussi en version classeur. Hop. Toc. Voilà, ici. Alors j'ai eu un petit cafouillage. Là il manquait, j'avais oublié une couleur et puis là bah, j'ai sauté une ligne. Bon, c'est pas grave, je vais pas refaire. Hein. De toute façon, ça prendrait trop de temps. Donc vraiment de trop belles couleurs, j'adore. J'adore, j'adore. Alors en ce qui concerne les nouvelles teintes, du coup là j'ai mis les petits points rouges là où il y avait les nouvelles teintes. Donc il y en a 28 en tout. Donc, il y a la 0110, donc c'est ça, correspond à celle-là. La 215, là. La 0225, enfin, du coup, elle est sur le côté, on ne voit pas beaucoup. La 245, c'est à orange, donc c'est celui-là. Le 0255, c'est un autre orange là, qui est plutôt pas mal. Le 0313. Pareil, là, un autre orange, là. Le 0317. Le 405, j'adore cette couleur-là, par contre.
J'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir, mais la couleur du 405, elle est où? Elle est là. Elle est très belle, je trouve. Ensuite, on a la 715. Bon, celle-là, elle est où? Elle est là. Pareil, trop belle couleur, j'adore. Après, on a la 0735, ici. Pareil, un beau violet comme ça. Ensuite, on a la 0770. Ici. Un beau violet, pareil, aussi, là. Le 0805, un bleu violet qui est très joli. Ensuite, on a le 825, un bleu clair qu'on n'avait pas forcément avant. Ça, c'est super cool. On a le 835, un autre bleu. Le 1010, là, pareil, un très beau bleu. On a le 1213, j'adore cette couleur-là. Franchement, j'adore. On a le 1215, là, pareil, c'est une très belle couleur. Ensuite, après, on a le 1240. On a ici un petit un vert un peu clair comme ça, c'est super sympa. Le 1340, le 1535, un beau vert clair jaune, c'est un très joli. On a pardon, après c'est dans les marrons, donc le 1903, le 1907, le 2103, 2107. Et le 2130, il est là. Et j'ai oublié tout à l'heure le 1225. Donc voilà la nouvelle couleur et franchement moi j'adore. J'aime trop ce nouveau nuancier là. Je trouve que les marrons du coup ils en ont rajouté et c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop de marrons que ça. Des beaux gris du coup aussi, ils nous ont rajouté des gris chauds qu'on n'avait pas forcément. Donc là pareil j'ai eu un mélange en fait, j'ai oublié ces teintes là. Donc normalement ça fait partie après cela. Donc bon, c'est pas très grave. On a toujours le outliner, le crayon en fait, qui permet de, si on veut dessiner avant, qui n'est pas aquarellable. Donc voilà, pour éviter que ça bave. On a le blanc, le noir. Non, franchement, il y a une très belle couleur. Hein. Les violets roses sont super sympas. Alors par contre, je trouve qu'il manque encore un vrai rose bonbon. Pour moi, c'est encore un défaut de Derwent. C'est qu'il manque un vrai rose, mais bon, pareil, ça, c'est pas non plus... très très grave, on peut le trouver dans... Bah, il veut tient pas, Donald. Il va tenir, oui. Voilà. Enfin, bref. Du coup, voilà pour le nuancier des Intense. Bon, je vais vous montrer, pour ceux qui connaissent pas, parce que bon, je pense qu'il y en a qui connaissent pas, les Derwent. Hein. Ça, je vais le plastifier après. Je vais essayer de mettre, comme Panora Mimix, un papier décoratif derrière, qui est plastifié, en espérant que ça passe, vu que le papier est assez épais. Donc, voilà la boîte, comment elle se présente. Franchement, je la trouve super belle. Une formule de fabrication innovante pour un effet proche de l'encre qui rend les couleurs intenses et lumineuses qui de plus sont permanentes au lavis d'une fois sec. Mmh. Pour la superposition de couches multiples. Ah bah super ça. Parce qu'en fait c'est vrai ouais, c'est ça, les Intense par rapport au crayon aquarellable basique en fait, c'est que c'est de l'encre en fait, c'est pas de l'aquarelle comme les autres, c'est vraiment de l'encre. C'est pour ça qu'ils sont vraiment intenses par rapport à d'autres. Et franchement, je suis vraiment contente qu'ils aient sorti la version de 100 parce que c'est magique. Donc voilà. Après, par rapport aux anciens, je pense pas qu'ils ont changé de temps que ça au niveau de la pigmentation. Je pense que c'est pareil. Hein. C'est juste qu'il y a des nouvelles teintes en plus. Et puis au niveau de la robustesse de ces crayons ne sont pas à redire, franchement je pense que c'est une des gammes les plus solides qu'on peut avoir, même en aquarellable. Même si les Albrecht Dürer sont très solides aussi, mais après c'est encore différent. On a vraiment de très belles teintes. Donc Made in England, ils viennent de l'Angleterre. Donc là on a trois racks, un rack comme ça, en plastique. Le rack des bleus verts et enfin le rack des marrons. Des marrons gris et marrons noirs. Et noirs. Voilà. Tac. Alors pour le moment, il reste dans la boîte. Pour le moment. Je verrai par la suite si je les mets en trousse. Bon, je pense qu'ils finiront en trousse, mais pour le moment, je les adore. Quand ils sont neufs, j'aime bien les laisser un peu dans la boîte. Je pense que Donald, je vais mettre un endroit où il faut qu'ils se maintiennent, parce que là, ça va être casse-pied toujours leur mettre. Le
voir ça après. Voilà. Et puis derrière, on a nuancié l'intense. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce mélange couleur et entre elles se couche excessif. Donc là, on peut voir qu'on a vraiment un très beau nuancé, même si c'est pas tout à fait représentatif, je trouve, parce que là, on dirait qu'on a un beau rose, comme je vous ai parlé bonbon tout à l'heure, mais quand on regarde le nuancé, je sais pas à quoi ça correspond vraiment. Bah, on n'a pas vraiment de rose en fait, donc c'est pas vraiment très représentatif, je trouve, des couleurs, mais bon. Ils ont rajouté un bleu clair, ça c'est super par contre. Donc voilà. Pour les Intense, j'ai trop hâte de faire un colo avec, du coup, ce qui devrait plus tarder. Alors, j'ai fait comme je vous avais dit, en fait, hein, pour au pin-up, j'ai relié. Mais alors par contre, je vais changer, parce qu'en fait, je voulais tester avec ça. En fait, c'est des trucs qui se... Comment dire, qui se ferme tout seul comme ça. Mais en fait, je n'aime pas du tout parce que déjà d'une, ça se met mal. Et en plus, je peux pas mettre à 360 et de base, c'est surtout pour ça que je voulais faire ça. Donc, je vais l'enlever et je vais relier avec des anneaux normaux comme ça que j'ai. Donc là, je vois si ça passe. J'espère que ça va passer parce que j'ai pas plus grand. Enfin, si j'ai plus grand, mais ceux-là, je les garde pour mes mystères. Parce que je pense que du coup, là, je vais en couper pas mal. Donc, bah, écoutez, bah, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain. Alors, je vous reprends pour la dernière rush de ce vlog. Du coup, nous sommes le vendredi 16 juin, il est à peu près 10h. J'ai fini mon ménage, je viens juste de m'installer sur mon bureau, du coup. Je ne savais pas trop comment finir un peu ce vlog-là, parce que moi, j'ai plus trop grand-chose à vous dire. Évidemment, le chat, faut qu'il vienne. Je vous jure. Et du coup, j'avais l'idée, du coup, de commencer un colo avec vous. Je ne vais pas le terminer, hein. C'est juste histoire de voir un peu ce que ça donne... ces marqueurs, enfin ces crayons là, enfin ces feutres là, noirs, ce que ça donne avec vous, comme ça vous verrez en direct, bah voilà. Et puis histoire de finir de papoter sur la semaine et puis voilà. Je vais m'empirer le chat, pousse-toi, allez, allez. Je te jure. Alors, je le fais en duo avec Aurélia et du coup c'est la petite, évidemment, hein, c'est la reine. Ici, comme vous avez pu voir, du coup, j'ai relié le tome 2. J'ai relié mon Looney Tunes aussi. Et le Mickey. Voilà. J'aime vraiment ces formats-là. C'est vraiment tellement plus pratique pour colorier. Donc, voilà, voilà. Donc, on va commencer. On va faire son usage déjà. Hop, un petit faux. Donc, j'ai pris du coup des écolines pour changer un petit peu. Je pense que je vais surtout faire le visage avec vous et après je vais vous laisser. Faut pas rester durant longtemps, c'est juste histoire de. Donc du coup le 7 c'est quoi, plus clair. J'avais un peu peur que ça fasse trop clair par rapport au 189, mais en fin de compte, non, ça va. Tac. Est-ce que je voulais vous dire aussi. Du coup, j'ai pas encore commencé mon colo avec mes Intense là dans le Hors Mystère, mais ça devrait tarder. J'ai vraiment envie de faire un colo à l'aquarelle. Je pense que ce sera demain. Je pense que je commencerai demain. Il faut là, je commence mes valises aussi pour les vacances. Parce que du coup, je sais toujours pas quel livre je vais emmener. Hein. Je pense que je vais emmener qu'un seul au cas où, parce qu'en fait. Je vais essayer de ne pas colo, profiter un maximum de ma petite famille, des vacances. Donc je vais prendre, j'en prends qu'un seul, mais par contre du coup je sais pas lequel je prends. J'hésite beaucoup entre le Sous l'océan ou le Saison. Ça va finir, je vais en prendre deux, hein. Ça se trouve ça, je vais prendre ces deux-là. Après niveau feutre... Je pense je vais choisir quelques colos dans les livres et prendre juste les teintes qu'il me faut. Parce que si j'emmène tous mes feutres, ça va être compliqué. Déjà, je pensais partir avec mes crayons là, déjà, je pense. Les teintes peau, s'il faut. Des Faber-Castell, et puis voilà. Donc, je sais pas trop encore, je suis en train de pleine réflexion. Ils sont vraiment super ces feutres-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, du coup, j'ai commencé à imprimer d'autres nuanciers pour continuer un petit peu mes crayons quand même.
Ça serait bien que j'arrive à finir ce menu aussi, comme ça je passerai à autre chose parce que c'est vrai que. En fait, je me dis à chaque fois de quand je fais mes nuanciers, c'est que je colorie pas en fait. C'est ça qui me bloque. Je préfère colorier que faire mes nuanciers. Même si j'aime bien faire mes nuanciers, moi ça me gêne pas de le faire parce que j'aime toujours redécouvrir mes couleurs à chaque fois. C'est. Je sais pas, j'adore faire ça. Je dis c'est long à faire, surtout quand on a les grosses gammes, comme les Prismacolor par exemple. Avant, je notais les noms des couleurs, maintenant c'est vraiment, je mets que le numéro, je m'embête pas parce que déjà, en plus, dans les nuanciers, il n'y a plus de place. Surtout dans ceux de Panoramimix, on n'a pas énormément de place. Ouais, aujourd'hui, c'est agréable, il fait bon, mais pas trop chaud non plus, c'est agréable. Parce qu'en ce moment, on étouffe un petit peu. Hein. On va dire que le mois de juin, il aurait été vraiment très beau. Bon, même si là, ça va repartir en orage dimanche. Mais bon, ça va faire du bien un petit peu, ça va rafraîchir. Parce que. On n'en pouvait plus. Ouais, c'est que le début. Hein. Voilà. Je suis désolée si vous entendez mon lapin. Mais là, vu que j'ai passé la toile et tout, je vais attendre un peu avant de la sortir. Préfère tester les feutres noirs une fois que j'aurai fini son usage parce que j'ai peur que ça bave. Vu que c'est des feutres à base d'eau et non d'acrylique, comme les Posca, je préfère le faire après. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, je fais toujours le remplissage de couleurs avant et ensuite je passe le noir dans les contours s'il faut, mais jamais avant. Avant, je faisais ça, mais le souci, c'est qu'avec les couleurs claires, comme là, les couleurs peau, ou les couleurs jaunes, les rouges clairs, enfin, etc., quoi, ça avait tendance à baver et c'était horrible. Du coup, tout te retrouver avec du noir dans la couleur, c'était chiant, quoi. Que maintenant je fais au fur et à mesure en fait. Avant j'attendais que le colo soit terminé pour pas faire des contours noirs. Et là en ce moment j'ai tendance à faire un. Enfin pas l'inverse mais je veux dire à faire petit à petit. J'aime trop. J'essaie toujours varier mes gammes quand même pour essayer d'aller par avec tous les feutres que j'ai quand même. Même si j'ai tendance à aller plus facilement avec les Tombow, les Lyra en général. Mais j'aime bien changer, varier un petit peu. Mais franchement, ouais, les écoles sont super, là, la couleur peau, j'aime beaucoup. Hein. On fait beaucoup penser au 132, mais en un petit peu plus clair. Ce colo-là, je crois que je l'avais jamais fait. Ou alors, je m'en souviens plus. Voilà. Alors, on va passer à la couleur foncée. Du coup, j'ai pris 189 parce qu'il n'y a pas de couleur foncée dans. Chez les écolines. Tac. Alors, ça fait bizarre de passer un gros feutre à un petit feutre. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de colos non plus, j'ai remarqué là, je crois que j'en ai fait que 10 pour le moment. De toute façon, je verrai hein, à la fin du mois si j'en ai pas fait de plus de 15. Je pense que. Bon, quoique 15 colos à montrer, c'est déjà pas mal. Je sais pas, je verrai.
Faut absolument, j'arrive à terminer mes petits effets là sur mon galerie de portrait. J'ai toujours pas été dedans. Faut que je le fasse absolument. Ah, je crois que je me suis trompée, là c'est 7. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça se verra pas. Hein. Voilà, ici. Voilà. Ça y est, j'ai terminé ma série de la Reine Charlotte, là, du coup. Moi, j'ai bien aimé, hein, c'était pas. C'était sympa de connaître l'histoire de la Reine Charlotte, j'ai bien aimé. C'est pas non plus un gros coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Du coup, là, je suis en train de me refaire la série des Bridgerton, ça m'a trop donné envie. Mais après ça, il va falloir absolument que j'attaque la série en abattement. Parce que, apparemment, cette série est super. Donc, je pense qu'après les Bridgerton, je vais faire ça. Ah non, il y a Manifest aussi, il faut que je termine. Donc, je pense que je terminerai d'abord Manifest. Et après, je ferai en abattement. Ouais, ce week-end, ouais, je sais pas si je vais pouvoir colorier trop non plus. Parce que le soir, je suis invitée. Bon, c'est peut-être la journée quand même. Je pense que je vais me prendre un peu de temps la journée pour colo. Voilà, au niveau du visage. Ensuite, on va faire ses yeux. Alors, couleur B, c'est 580. J'aime beaucoup cette couleur-là, de 580 aussi. C'est un bleu très clair qu'on ne trouve pas partout non plus dans les teintes. On l'a dans les Faber-Castell Pitt, les Pen 68. Et voilà, c'est tout. Parce que le Tombeau, on a un bleu, mais c'est pas un bleu pareil. C'est un bleu plus turquoise, on va dire, clair, qu'un vrai bleu comme ça, clair. Ensuite, c'est 522. 522. Vous voyez que pour les petits détails, franchement, ça m'empêche pas de le faire. Ça reste quand même très précis. Après, il faut vraiment pas appuyer sur la pointe, quoi. C'est limite, on caresse le papier, quoi. Bon, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Ensuite, la bouche. La bouche, c'est 8, 318. Celui-là. Hop. Hop, voilà. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur-là aussi. Oups, j'ai passé un petit peu. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur-là aussi. Hop. Du coup, on va faire le noir maintenant. Alors. Voilà, ça va être ça pour les contours. Du coup, si ça passe bien, je pense que je prendrai cela du coup pour les vacances. Ça fera moins lourd à porter dans la trousse que les Posca. Ah, je tremble un peu. C'est pas très droit. Tac.
Ça détend vraiment les mystères, mon péché. C'est vraiment mes coloriages préférés. Même si j'aime beaucoup faire des hors mystères de temps en temps, mais j'avoue que n'empêche, faire ça détend beaucoup. Alors par contre, là, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire le contour du visage parce que j'ai peur que ça base après sur le rouge de ses cheveux. Tac. On va voir avec la pointe brush du coup. Non, c'est pas celle-là. Apparemment, vraiment que. Ah, à moins qu'il y ait les pointes derrière. Non. Ah oui, il y a des pointes. Donc la pointe brush. Oh là là, Mégane, franchement. L'opacité, c'est pas trop mal, hein, franchement. Après, si jamais c'est pas vraiment opaque, bah, on fait deux couches. Hein. Mais franchement, ça va. Bon, c'est bien qu'ils ont fait les six. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui. Parce que franchement, là, 3,99 l'eau de 4, 4 feutres noirs, franchement, ça fait pas cher. Hein. Et franchement, niveau opacité, ça va. Hein. Puis comme je dis, sinon, puis on met deux couches, hein, c'est pas non plus énorme. Alors par contre, si jamais vous avez des grands cheveux de jasmine, je pense que là, non. Je pense qu'il va falloir vraiment garder le Posca. Ou alors les Artix. Et ce serait bien qu'ils les vendent à l'unité parce que. Moi, je pense. Franchement, j'achèterais beaucoup de noirs. Hein, d'Artix, ils sont vraiment super bien. Et ça ne traverse pas. Donc, c'est génial. Et franchement, au niveau de l'opacité, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment. Rien à redire. Franchement, je suis contente là de. Du coup, mon achat. Je valide. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que cette semaine de vlog avec moi vous aura plu. Et puis, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!